Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Visitation Divine. Chers amis, je suis le pasteur Ivan et le but de cette émission, c'est de vous partager simplement des témoignages, des visitations divines, miracles, prodiges, signes, percées que Dieu a fait dans la vie de nos frères, de nos sœurs partout dans le monde entier. Je crois qu'en les écoutant, vous serez non seulement vous-même challengé, édifié et que vous aurez envie de les partager parce qu'ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Excellente écoute et à très bientôt pour les prochains témoignages. Que Dieu vous bénisse. Cet épisode 13 débute avec le témoignage d'Eugénie qui était délivrée de la zoophilie, de l'inceste et de la masturbation. Bonjour famille, c'est alors. Ce deuxième témoignage que je voudrais donner, je me nomme Nini. Et je voudrais vraiment donner ce témoignage, mais c'est un témoignage de toute une vie que le Seigneur Jésus-Christ a complètement transformé. Moi, je suis née dans une famille où on pratiquait beaucoup le fétichisme parce que je suis née dans une famille royale de notre village. Et il y avait beaucoup de fétichisme, beaucoup des esprits des eaux qui étaient adorés et tout. Et j'ai été consacrée à l'esprit des eaux depuis mon enfance. Cela a fait que depuis mes 6 ans, je me masturbais. N'étant même pas âgé, conscient de ce qu'on appelle masturbation, je ne connaissais même pas le mot masturbation. Et bien, je me masturbais dès mes 6 ans. Je prenais des bouts de parfum, tout ce qui était rond et qui avait les formes de pénis pour faire des pénétrations. Et mon père, il est médecin, il a dans sa mallette d'outils de travail, il avait un pénis, il avait un bois sculpté en forme de pénis qu'il utilisait pour donner des cours à l'université. Et je prenais aussi ce pénis-là pour faire des pénétrations sexuelles. En fait, j'étais vraiment complètement noyée dans l'impudicité, dans toutes ses formes. Il m'arrivait même de coucher avec des chiens parce que moi j'ai grandi en Afrique et on avait beaucoup de chiens à la maison. Il m'arrivait de coucher avec des chiens de notre maison quand personne n'était à la maison. Il m'arrivait aussi de coucher même avec mon grand frère, mais cela a été répétitif jusqu'à mon âge de 16 ans, 17 ans. Il m'arrivait même d'avoir eu des attouchements sexuels avec mon cousin. Et voilà, plein de choses dont je ne connaissais même pas le nom. Je ne savais même pas que j'étais sous une emprise démoniaque. Je ne savais pas du tout que j'étais sous une emprise démoniaque. Et voilà, dans mon habillement, voilà, ça laissait complètement à désirer. Et c'est moi-même qui faisais tout pour séduire les hommes, pour qu'ils puissent coucher avec moi. Et l'esprit me disait que c'est la manière dont je pouvais leur prouver mon amour, qu'il fallait coucher pour pouvoir prouver son amour à ces hommes, pour qu'ils puissent m'aimer aussi. Et voilà. Et après cela, j'ai eu à avoir un premier mariage qui s'est très mal passé, très mal terminé. Et c'est alors là que je suis arrivée à ICC. Je suis tombée dans les temps de 21 jours de jeûne et prière. Et c'est alors là que j'ai entendu que l'impudicité, la masturbation, sans oublier aussi que je me masturbais toutes les semaines, minimum 3 à 4 fois dans la semaine, toutes les nuits et tous les soirs. Et c'est alors là que j'ai entendu que la masturbation n'était pas bon, que coucher à l'impudicité dans toutes ses formes, en tout cas tout ce que je faisais, bien même que le pasteur n'a pas annoncé la bestialité, moi je le faisais. En tout cas, j'ai eu une conviction que tout cela n'était pas bon et j'ai commencé à prier en ce sens. J'ai voulu
je suis venue avec la mentalité de l'église où je fréquentais, où il fallait que le prêtre prie pour nous, il fallait chercher le prêtre et tout. Et un jour, l'esprit m'a dit que ce n'est pas un prêtre ni un pasteur qui va te délivrer, c'est moi-même qui va te délivrer. Et j'ai cru en cette parole. On a continué 7 ans de jeûne et prière. Ça fait 4 ans de cela. Et j'ai saisi cette parole. Je peux dire aujourd'hui que j'ai rencontré le Dieu de sainteté. Comme le pasteur Yvan l'a dit là, le dimanche dernier, j'ai rencontré le Dieu de sainteté qui m'a foudroyé, qui m'a complètement libéré, mais vraiment libéré de tout ce qui est impureté, rêve impur, masturbation, la domination de cet esprit qui était sur ma vie, qui m'avait bloqué dans tous les domaines de ma vie que je servais à plein temps. Jésus-Christ m'a complètement foudroyé, m'a complètement libéré de cet esprit. Aujourd'hui, il m'a appris qu'est-ce que je dois voir à la télé, qu'est-ce que je ne dois pas voir, comment est-ce que je dois crucifier ma chair, comment est-ce que je ne dois plus nourrir cet esprit pour qu'il ne reprenne plus vie en moi. Et aujourd'hui, je peux dire, et je l'affirme et je l'atteste, que je suis complètement libérée. Ça fait des années que je ne me masturbe plus. Ça fait des lumières que je ne peux même plus imaginer coucher avec un animal, avec un chien ou un chat. Et voilà, je suis venue pour rendre grâce à Dieu, pour dire à quelqu'un qui est encore dans la même situation que moi et qui soupire à sortir, de ne pas attendre. Pas seulement un nom de Dieu, mais de lever les yeux vers l'Éternel qui le fera sortir de cette montagne, de lever les yeux vers Jésus-Christ qui a le plein pouvoir de le libérer, qui ne s'attend pas forcément à un rendez-vous avec le pasteur, mais de lever les yeux vers Jésus-Christ qui est capable de nous délivrer de l'emprise de toute chaîne que l'ennemi avait mis sur nos vies avant notre naissance. Je vous remercie. Michel nous partage comment elle a été guérie des hémorroïdes. Bonsoir la famille, je suis Michel depuis le Cameroun. Je viens témoigner de comment le Seigneur m'a délivré des hémorroïdes. En fait, depuis le 29 mai dernier, je me suis rendu compte en revenant d'un anniversaire avec mon époux que j'avais très mal. Je commençais à avoir une douleur au niveau de l'anus et en même temps une grosse gêne. Donc nous sommes rentrés une fois à la maison. Je me suis dit que c'était le sous-vêtement, mais ça ne pouvait pas être ça. Et je portais une jupe. Donc j'ai tenu à regarder pour voir ce qui n'allait pas. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une boule qui avait très anormale, qui avait gonflé au niveau de mon anus. Vraiment grosse boule. Donc, et la douleur était intense, avait commencé depuis que j'avais ressenti ça, commencé à s'intensifier tellement elle était forte la douleur. Quand j'ai eu à l'idée de regarder, de taper Google pour savoir comment est-ce qu'on fait partir ça, comment on soulage ça, parce qu'on m'a dit que ce sont des hémorroïdes. Mais quand je sortais de ma chambre pour le salon, j'ai entendu comme une voix qui me disait: cette maladie est spirituelle, prie. Mais j'ai eu l'impression que c'est moi qui y pensais. Mais j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à regarder, mais j'avais à nouveau l'impression que j'écoutais ce que tu fais, tu perds ton temps à regarder. Je t'ai demandé de prier. Et là, j'ai un peu négligé. La famille était là, commentait par rapport à ça, mais moi, j'avais tellement mal que je suis allée me coucher. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas prié. Le lendemain matin, après la prière matinale, nous avons prié, confié au Seigneur, mais j'avais toujours mal. Le temps est passé, la douleur avait quand même diminué plusieurs jours après. Nous avons commencé le programme de jeûne de prière de 21 jours et à un moment donné, je ne sais plus quel jour, le pasteur priait pour les maladies et tout. Donc je me suis rappelé qu'il y a cette jeûne-là et il y a la douleur en plus de cela. Donc je me suis mise à prier pour ça vraiment avec autorité. Et quelques jours après, pendant que je me douchais, je me suis rendu compte que la boule avait considérablement diminué. Mais elle était toujours là. Donc il y a quelques jours encore, le pasteur a commencé à prier pour les fibrons, pour les gens qui ont mal au bas-ventre, les fibrons. Et à la suite, il a dit, touchez exactement là où vous avez une boule anormale. Alors, j'ai,
J'ai essayé de toucher la boule, je n'arrivais pas, donc j'ai fait le geste. Je me suis rendu compte que la boule avait totalement disparu. Et c'est où je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai plus mal. Je ne sais vraiment pas à quel moment j'ai été guérie, mais c'est quand le pasteur demande de toucher la boule que je me rends compte que j'ai été totalement guérie. Je n'ai plus de douleur, la boule a disparu. Je l'ai annoncé à ma famille, on était tellement contents. Et véritablement, je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Rendre grâce à Dieu pour nos pasteurs que nous avons parce qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit et c'est grâce à cela que nous pouvons recevoir toutes les grâces. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ICC, pour tous les pasteurs, véritablement pour le pasteur Yvan Castanou, pour tous les autres pasteurs vraiment qui se donnent corps et âme pour cette œuvre. Merci vraiment que quelqu'un puisse recevoir son témoignage également au nom de Jésus. Amen. Merci. On continue avec le témoignage d'Erline qui était guérie de douleur au niveau du pied. Bonsoir famille ICC, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Jésus m'a guérie d'une douleur au pied gauche. Cette douleur, elle vient, elle part de temps en temps, mais c'est une douleur en fait, ça me donne une crampe. Et la semaine dernière, en fait, j'avais cette douleur-là. La douleur me démangeait tellement. J'ai une démangeaison comme pas possible, en fait. Je ne pouvais même pas marcher avec des talons. Et vendredi, j'ai été à la prière. Quand le pasteur a dit tous les témoignages, en fait, des gens, j'ai dit, moi aussi, je veux ma guérison, Seigneur. Je sais que à la croix, t'as tout pris. Aujourd'hui, je déclare la guérison sur ma jambe. Et le pied arrivait jusqu'aux jambes. En fait, la douleur me démangeait tellement. Et en retour de chez moi, j'étais en train de marcher. Et je sens qu'une chaleur monte dans le pied. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai une chaleur là. Je sens quelque chose de bizarre pendant que je marchais. Et puis, en rentrant chez moi, j'avais toujours la douleur, mais ça a diminué. Et le lendemain, samedi, j'arrivais à marcher. Dimanche, j'ai dit, je vais essayer de mettre mes talons. En fait, j'ai porté des talons dimanche et jusqu'ici, je n'ai pas de douleur, plus rien. Non, mais franchement, Jésus a fait beaucoup de choses pour moi. Je dis, je ne vais pas rester sans témoigner ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Et je rends grâce à Dieu pour cette couverture. Que Dieu vous bénisse. Enfin, Gina a expérimenté une restauration de son âme. Bonjour, ma belle Gina. Le Seigneur il m'a délivrée de la haine, de la colère et de la culpabilité. Quand j'ai eu 17 ans, quand j'ai eu mon bac, je suis allée à l'étranger pour faire mes études. Et quand je suis arrivée dans le pays où j'étais, j'ai vraiment été entourée de mauvaises personnes parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et enfin, je me sentais un peu libre, j'avais cette liberté-là de faire tout ce que je voulais. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un petit ami. Et franchement, cette relation, elle m'a détruite dans le sens où tout ce que je faisais, c'était devenu pour lui. Je ne faisais plus rien pour moi. J'avais peur de lui. Il me frappait, mais je restais. Il me traitait comme sa chose, quoi. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des saignements. Je pensais que c'était mes menstruations. Mais non, en fait, j'ai fait 2 mois, j'avais des saignements qui ne s'arrêtaient pas. Et quand je suis allée à l'hôpital, on pensait que c'était un kyste. Et, sauf que la douleur était tellement forte que quand je suis rentrée chez moi, avant d'aller faire d'autres examens, j'arrivais plus et donc on a appelé les pompiers et quand ils sont arrivés ils m'ont ramené à l'hôpital et là on a découvert que c'était une grossesse extra-utérine. Donc vu que j'avais des rapports sexuels non protégés,
souvent mon petit ami de l'époque qui me donnait des pilules et moi c'est un pays qui parlait pas français, du coup je connaissais vraiment rien. On partait à la pharmacie mais c'est lui qui parlait parce que je venais à peine d'arriver, c'était ma première année. Et donc voilà, il me donnait ces pilules là et moi j'avais confiance en lui quoi. Et sauf que apparemment il fallait pas les prendre tous les jours, mais lui à chaque fois on avait des rapports sexuels mais les donnait. Du coup je suis tombée enceinte et ça a déclenché cette grossesse extra-utérine. Et donc, du coup, j'arrive sur place et là, on me dit, il faut qu'on t'opère tout de suite parce que là, c'était une hémorragie interne que tu fais. On m'a fait signer une décharge comme quoi si on ne me faisait pas opérer tout de suite et que je mourrais, c'était de ma faute parce que j'ai mis du temps. Et même quand je suis arrivée, je voulais pas qu'on m'opère, je voulais attendre l'aval de mes parents. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on m'a opéré, on m'a enlevé une trompe. Et enfin, à cet âge-là, je réalisais pas. Je venais juste de prendre mes 18 ans, je réalisais pas l'impact. Je réalisais pas l'acte qui avait été posé. Mais je savais que c'était quelque chose de compliqué. Du coup, les années ont passé, j'ai eu 19 ans, ça a commencé à venir dans ma tête. J'ai commencé à avoir des remords, j'ai commencé à aller sur Google vérifier... Vérifier à chaque fois pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les conséquences de l'opération sur moi. Et là, je commençais à déprimer parce que je me disais, ma vie est finie. J'ai vu des témoignages d'autres femmes qui ont eu la même chose et qui disaient, je ne peux plus faire d'enfant. On m'a enlevé les deux trompes, moi, on m'a enlevé une trompe. Enfin, et même là, j'étais pas sûre parce que je ne comprenais pas la langue. Et du coup, il y avait tout ça. Sauf qu'au lieu de me ressaisir, j'avais continué à avoir des rapports avec le garçon je suis tombée enceinte. Et là, il m'a fait avorter. Il m'a fait avorter et c'est quelque chose qui pesait sur ma conscience jusqu'à pas longtemps. Du coup, il m'a fait avorter. J'ai dû rentrer chez moi pour les vacances dans mon pays d'origine. Et c'est pour vous dire que j'ai voyagé avec le fœtus qui sortait de mon corps encore. Et les médecins me disaient, mais c'est pas possible, tu peux pas voyager comme ça. Mais j'avais pas le choix, je voulais pas que mes parents soient au courant et tout. Donc c'est ça. Et je suis arrivée en France. Quand je suis arrivée en France, j'étais avec un garçon aussi. Et rebelote, je suis tombée enceinte et j'ai encore avorté. Et là, c'était devenu un trouble. Je déprimais, je ne faisais rien, ça n'allait pas. J'en voulais à toute la terre entière. J'en voulais à mes parents qui m'ont limite abandonnée parce que quand je suis arrivée dans le pays où j'étais, je les ai appelés, je leur ai dit, papa, maman, ça ne va pas, je veux rentrer, j'ai besoin de vous, aidez-moi. Et là, j'ai pas eu d'aide. Et ça a fait ça que j'ai commencé à les détester en me disant, c'est votre faute, personne ne m'a prévenu de rien, personne n'a été là pour moi. J'ai commencé à déprimer, à m'enfermer toute seule dans ma maison et tout. Jusqu'à ce que... j'allais à l'église, je me suis même faite baptiser, mais j'avais toujours cette colère, j'avais toujours cette haine, j'avais toujours cette culpabilité en moi. J'étais pas guérie de tout ce que j'avais pu traverser. Et j'en voulais à mes parents, j'en voulais particulièrement à mon père parce qu'il était chrétien et pour moi, c'était lui qui était censé me montrer l'exemple, m'aider. Et j'ai pas eu ça de sa part. J'ai pas eu cette aide-là, j'ai pas eu cette épaule-là sur qui je pouvais compter, à qui je pouvais me confier. Du coup, j'ai tout gardé pour moi. J'ai vu des psychologues, mais rien, ça n'a rien changé. Et voilà. Et du coup, pendant les 21 jours de prière, je me souviens, c'était le jeudi 16 juin. À la fin de la prière, j'étais assise par terre, je ne comprenais pas. J'avais l'impression que tous les jours, ma prière, c'était « Seigneur, change-moi, parce que là, je n'en peux plus de vivre comme ça. » Je ne réalisais pas en fait que c'était fort, c'était aussi fort ce sentiment de haine. Je ne réalisais pas qu'on pouvait me dire « Ton père, il est malade. » Et moi, ça ne me faisait rien parce que je ne l'aimais pas, quoi, je le détestais. Et donc,
J'étais assise par terre à l'église et j'ai commencé à prier. Je demande au Seigneur, mais Seigneur, c'est maintenant, je suis venue pour te rencontrer. Moi, je veux te rencontrer, mais je ne veux pas te rencontrer comme ça. Il faut que tu me transformes, il faut que ma vie change, il faut que mon cœur change, il faut que tu me guérisses. Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi, guéris-moi. Et là, j'ai senti comme un poids qui, quand on levait, c'est comme si on levait quelque chose de mon corps et ça me faisait mal. Je ne sais pas pourquoi ça me faisait mal. Et on a remplacé par quelque chose de bien, une chaleur. Vraiment, j'ai senti un sentiment, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes, tout simplement, j'ai fondu en larmes parce que ce que je ressentais, c'était extraordinaire, quoi. Je ne l'avais jamais ressenti, j'arrivais pas, je ne voulais pas sortir de la présence de Dieu. Je me souviens, ce jour, on a coupé le direct à l'église, mais j'étais toujours là, je ne voulais pas bouger, je ne voulais pas sortir de cette présence. Et ben, je comprenais pas de quoi j'avais, qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est quand je rentre à la maison et que ma mère m'appelle pour me dire, bah, ton père, il est hospitalisé, il va pas bien et tout. Là, j'ai compris que c'était en fait la haine qui était partie parce que pour la première fois depuis 5 ans, j'avais mal pour mon père, j'étais triste. Je me dis, mais comment, Seigneur, non, j'ai commencé même à prier pour lui. J'étais paniquée et c'est quelque chose qui m'était pas arrivé. Depuis longtemps, je ne ressentais aucun sentiment de pitié ou, je sais pas, de compassion pour mon père, aucun. Et j'ai aussi réalisé que toute la colère et toute la rancune, toute la culpabilité que j'avais eue par rapport aux avortements, par rapport à ce qui s'est passé dans le pays où j'étais, avait disparu, que je n'en voulais plus à personne, que tout cela, quoi, je ne portais plus ce poids. Aujourd'hui, je peux rester seule, je ne vais pas déprimer, je ne vais pas repenser à ça parce qu'avant, je pensais tout le temps à ça, à tout ce qui m'arrivait. Je me disais, mais comment mes parents ont pu faire ça? Comment mon père, il est comme ça? Pourquoi il est comme si? Il n'est pas un chrétien, il ne se comporte pas comme... J'étais tout le temps dans le jugement et aujourd'hui, je n'ai plus cette culpabilité, je n'ai plus ce poids-là et je rends tout simplement la gloire à Dieu qui m'a délivrée. Enfin, je sais qu'il a encore des choses à faire avec moi et voilà pourquoi je commence déjà à lui dire merci parce que je sais que ça sera extraordinaire. Alors que vous êtes édifié vous-même en écoutant ces audios, s'il vous plaît, prenez le temps de les partager. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage.